mets les pieds où je veux, Little John. Salut Gary, vous nuez sur le clash, vous nuez sur les coups de pied dans la gueule. Et bon clash de la drague à nos deux clasheurs, on va découvrir dans quelques instants quelles sont les méthodes de ce soir, méthodes pour draguer. Ouais, pas de soucis. Ah bah on peut y aller tout de suite, je vois que t'es prêt Cédric, vas-y. Ah, pas de galère. J'attendais pour toi, il me semblait que tu étais pas prêt. Ah si, j'étais prêt. Tu voulais faire la méthode Halloween deux jours avant Halloween. Tu peux également nous faire la méthode de Noël, nous proposait Ibrahimovic sur SMS. Trop tôt, là. Pas mal. Bonjour Ibra, je vois qu'il nous écoute lui aussi tous les soirs. Eh ouais, enfin Romano, des fois il a fait des méthodes un petit peu avant mais la date. Mais pas obligé de faire la même chose que Romano, non, ne vis pas dans ses couilles. Et puis ne parle pas de moi, c'est une passion chez toi, mais essaye de te retenir. Hein. Allez, ferme ta gueule. Moi, je parle pas de toi, j'écoute juste ta méthode naze et après, je donne la mienne. Alors, quelle est ta méthode? Laisse-toi pas déstabiliser par Romano, il est tout petit, il est hargneux, comme les roquets. Pas du tout, bah, je vais appeler les familles ce soir, je vais leur dire que... Oui, ah, bah ça c'est de la grande nouveauté. Ouais, voilà, ouais. Il va appeler des familles. Truc de ouf. Tu peux fermer ta gueule quand je parle ou... Alors, Cédric, c'est on t'écoute. Tu peux parler là ou tu fermes ta... Alors, tu vas appeler les familles, est-ce que tu vas leur dire allô? Ouais, je vais leur dire allô déjà. Oh là, je vais dire allô. Allô, bonjour. Bon, tu me laisses parler là ou tu arrêtes de me casser les couilles? Alors, ta méthode. Moi, je vais appeler ce soir les familles en leur disant que mon sextoy est en panne. Ouais. Et que bah du coup je voulais venir m'amuser avec elle directement quoi, tout simplement. D'accord, c'est ta méthode. C'est une passion chez toi les sextoys. Ouais. Pourquoi? Bah tu ne fais ça souvent. C'est ton droit, aussi, Cédric. Tu le fais souvent. Hein. C'est ton droit, Romano. Quelle est ta méthode de drague? Alors moi j'ai gagné un petit week-end grâce au juste prix parce que je suis passé à la télé. Ouais. T'as mais gagner des cadeaux, c'est ta passion toi aussi. Ah bah non, rappelle-moi quand. Si, elle parle aussi longtemps que ça. Bah non mais rappelle-moi quand, j'attends. Bah t'inquiète pas, j'ai cherché. Et donc je vais proposer à la famille de venir avec moi. Bon en particulier la femme, malheureusement je n'ai que deux places. Donc je ne pourrais pas emmener tout le monde. Donc j'espère que ça leur fait plaisir. Je suis un peu une star de la télé quoi. Tu es une star de la télé, t'as gagné des cadeaux à la télé. Et au juste prix, j'ai vu Vincent Lagaffe et les gaffettes. Et tu pourras leur raconter comment ça se passe. Ah ouais, les coulisses et tout, un peu du show business quoi. Donc les gaffettes, Vincent Lagaffe, le juste prix pour Romano. Et de l'autre côté, les sextoys en panne pour Cédric. Ce sera à vous de choisir tout à l'heure. Et dans une demi-heure, dans une demi-heure à peu près, on attaque le clash de la drague et on verra qui sera le meilleur ce soir. Bon, on a le clash de la drague à faire avec Romano et Cédric. C'est l'heure du grand clash. D'un côté, Cédric. Ouais. Cédric avec sa méthode. Quelle est ta méthode, Cédric? C'est la méthode du sextoy en panne. La méthode du sextoy en panne. Très bien. Cédric, Cédric. Je vois qu'il y a du soutien. T'es un gros. Ah, t'as une gueule, toi. Du soutien de la part de ton adversaire, et ça, c'est sport, Cédric. Ah, je vois ça. Eh ouais. Donc là, c'est la méthode du sextoy en panne. On va voir si ça marche. On va appeler donc des numéros au hasard dans toute la France. Le premier numéro, il est pour toi, Cédric. Et Romano, tu nous expliqueras ta méthode juste après le premier coup de fil de Cédric. C'est parti. Pas de problème. C'est parti pour le clash de ce soir. Romano, je vous le dis, c'est la méthode du juste prix. Vous en saurez un petit peu plus si vous n'étiez pas à l'écoute il y a une demi-heure. Bon, allô. Allô Philippe. Allô Philippe. Philippe. Je crois qu'il y a un problème. Faut appeler un autre numéro, Samy. Voilà, c'est mieux. La déprime. Bah ouais, mais tu vois pas que le mec ne parle pas. La déprime commence. Pourquoi il veut pas te parler, le man? Bah je sais pas, son téléphone il devait bugger, je pense. Tu crois que c'est le téléphone il bugue? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est peut-être ta voix. Non, je pense que c'est le téléphone. Allô. Ouais. Allô, ouais, Dominique. Ouais. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais. Ça va, nickel. Allô? Ouais, tu m'entends bien, Dominique? Ouais. Bon, très bien. Je t'appelle à soir parce que j'ai un petit problème avec mon sextoy, là, il marche plus. Donc du coup, soir, je peux pas me faire plaisir, donc je voulais savoir si je pouvais passer à la maison pour qu'on s'amuse, toi et moi. J'aurais bien aimé que tu remplaces mon sextoy ce soir. Ouais. Je peux venir à la maison? Non, je suis pas là. Bah, je suis pas où? Dans la maison, là. Bah, ce que je vais faire, c'est qu'à la limite, je vais aller chez toi, puis bah, je m'occuperai de ta femme, vu que t'es pas là. Ah non, je suis pas là alors. Je vais aller m'amuser avec ta femme, tiens. Elle remplace Timmy Sextoy. Elle est pas là non plus, on est pas là à la maison. Bah, je sais pas, tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle était à la maison. Ah non. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule par hasard? Si, un peu, ouais. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, je vais me pointer directement chez toi, puis on va régler ça en face à face. Bon, on verra, ouais. Bah, je t'emmerde. Allez, pas de soucis, j'arrive. Ouais. À tout de suite, mon chéri, bisous. On verra, ouais. Vas-y, toujours. Je sens que t'as envie de me faire l'amour, toi, hein. Ouais. Vas-y, toujours. Bah j'arrive, je vais arriver, je vais venir te faire l'amour mon chéri, tu sais. Ouais, tu vas voir. Je vais te montrer un peu mon sextoy comment il est, puis bah j'espère que t'arriveras à faire mieux que ce que je faisais avec lui quoi. Ouais, elle va le porter à faire. Hein? Elle va te faire enculer. Ah, tu veux m'enculer, c'est ça? Oui. Voilà. Ah non, il veut m'enculer. Il a terminé par connerie, si tu veux le dernier mot. Ah, j'ai pas entendu moi ça. Je dis juste pour ceux qui avant, c'était va te faire enculer. Hein. Bon. Un pote, hein. À la limite, une petite invitation, mais bon.
Ouais. Ah, c'est mieux que rien. Bah oui, c'est toujours mieux que rien, c'est clair. Romano, ta méthode de drague. Ils viennent d'émerger. Ah, oui, ma méthode de drague. Excuse-moi, je m'étais trompé de bouton pour ton sein. Ce soir, c'est la méthode de juste prix. J'ai gagné un week-end au juste prix. Et juste après le tétard, faut voter Romano. Romano, il est complètement baisé. T'es Romano. Allez, ta gueule. Romano. On appelle la Romano. Allez, on appelle la méthode du juste prix. Romano. Romano. Oh, Romano. Allô. Allô. Oui. Oui, c'est qui ça? C'est David. Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va. Ça va, ça va. Bah, ça a l'air, tiens. Qu'est-ce que tu fais de beau, là? Tu regardes la télé? Oui. Oui. Bon, on dit voir, en fait, que s'explique, là. Moi, je m'appelle Jean-Louis, là. Et j'habite dans le quartier, dans le pâté de maison. Et j'ai gagné au juste prix la semaine dernière, là. Je suis passé à la télé avec la Vincent Lagaffe. Tu connais l'émission? Oui. Ouais. J'ai gagné un petit week-end, là. Et en fait, bon, c'est pendant le week-end de la Toussaint. Et vu que je savais pas trop avec qui partir, j'avais pensé à ta femme. Ouais. Donc ça te dérange pas que je passe la prendre, là? Non. Non, je peux passer? Oui. Ouais, comme ça, bon, je vais quand même la tester avant de partir, parce que bon, j'ai autant de dire que je vais la culbuter pendant le week-end. Donc j'aimerais quand même essayer avant, comme on dit, de tester un peu la marchandise, quoi. Donc bah oui. J'arrive, je lui fais l'amour, et puis après je vois si ça passe, quoi. Bah oui. Si ça passe bien, bah après je l'emmène avec moi au week-end. Bah oui. Et puis en cadeau, je te mets une petite cartouche gratuite pas chère. Une cartouche de quoi? Une cartouche dans les fesses, quoi. Ah ouais? Tu veux que j'amène carrément un fusil, toi? Ah, je sais pas, c'est comme tu veux. Bah écoute, je vais amener un fusil de chasseur. Dès que tu as un petit pistolet entre les jambes. J'ai un petit pistolet entre les jambes. Oui. Mais bon, là, je vais amener le fusil. Hein. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes, alors, mon poussin. Bah oui. À tout de suite, mon cochon. Hein. Oui. Ouais, à tout de suite. Bisous, bisous. Il est content. Il est content, je vais baiser. Il est content, David. Eh ben, c'est bien gentil, David, en tout cas. À tout de suite. Oh là là, bravo! Non mais bravo, c'est pas mal pour un lundi tous les deux là, dis donc. Bah moi c'est invitation quoi. Je trouve que c'est un beau clash de la drague avec un serrage déjà dès le premier coup de fil de Romano. Bravo, félicitations. Et quoi, une serrage, double serrage même, double, parce qu'il y a l'homme et la femme. Hein. Ah oui. Et je teste la femme et lui après je mets lui il a un fantasme chez lui, il met un fusil dans le cul. Bon bah écoute, et une invitation pour Cédric. Je réponds aux demandes. Bon, alors, deuxième tour ou pas? Bah non. Un tour chacun, c'est la règle du clash de la drague. Bah non, ça a bien répondu là, vous étiez plutôt pas mal. On peut confronter les deux méthodes l'une à l'autre, je pense, maintenant. Bah ouais, ouais, ouais. Alors, ah bah moi, ça va. Hein. Je vois que t'as l'air content, Mano. Bah content, rien n'est jamais fait, mes amours. Hein. Cédric, content aussi? Ouais, je suis content, mais une petite invitation, j'aurais bien aimé, tu vois, faire un vrai serrage, quoi, sur un deuxième appel. Allez, prends un coup de fil, va. Ah, c'est gentil, Romano, j'avais envie de le donner, mais je me suis dit. Allez, on y va. Non, mais j'ai pas dit que j'avais pitié, je dis, prends un coup de fil. Bah merci monsieur l'arbitre, merci mon concurrent, tiens, allez. Ah c'est bien, c'est ça. Je vais chez qui là? Tu votes pour moi ce soir? Non non, je vote pas pour toi, jamais de la vie, je suis malade toi. C'est pas parce que t'es sympa mec que je vais changer de banc. Hein. Moi perso je vais voter pour moi. Allô? Oui allô? Ouais, je suis chez qui? Dominique. Allô, hein? Dominique? Ouais, Dominique? Oui. Ça va, tu vas bien? Bien toi? Bah nickel, ça va, mais j'ai un petit problème. Tu sais, ce soir, je voulais m'amuser avec mon sextoy, il est tombé en panne le truc, donc je suis un peu comme un con, donc je voulais venir à la maison histoire qu'on s'amuse tous les deux. Histoire que tu remplaces mon sextoy pour la soirée. Ton sextoy? Mon sextoy. C'est une blague? Ah non, c'est pas une blague. Là, je suis en galère, je peux rien faire ce soir. Donc, je pensais à toi, je me suis dit, tiens, je vais venir te voir, on va faire un petit câlin, puis on va faire des petits trucs un peu plus cochons après. Et sextoy? Ta gueule. Ah putain, mais tu parles. Non, non, il a rien entendu. Il a entendu. Vous avez tous entendu que Romano parlait sur mon appel. Cirque, fais pas de cinéma, man. Je trouve ça abusé, moi. On n'est pas en Hollywood, man. Faut se foutre de ma gueule. Film américain. On n'est pas dans un film américain. Ah, mais foutez-vous de ma gueule, mais pas pendant l'appel, quoi. Eh bien, pourquoi t'as parlé de sextoy, là? Sextoy, je sais pas, j'ai dû. C'est pas écrire, alors Tectoy, c'est écrit comme dans Toy Story, T-O-Y. Non, mais je sais, oui. Sextoy, c'est pas. C'est un jouet sexuel. Bon, je sais. Non, mais je t'explique, parce que on est content, là, un peu. Bon, allez, vas-y, on passe aux déclarations. Allez, on passe aux déclarations, déclarations et vote. Allez, Cédric, c'est parti pour toi. Bon, ce soir, moi, je me suis présenté avec mon sextoy. Comme je précise bien, toy. Sextoy. Non, toy, j'ai rippé. Mon sextoy. Donc, ce soir. On va apprendre à parler, ma gueule. N'hésitez pas à voter Cédric, C-E-D-R-I-C, 41-759, sur les applications, sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à voter Cédric, c'est le bon choix à faire ce soir. C-E-D-R-I-C, c'est les 5 lettres. Attends, C-E-D-R-I, c'est les 6 lettres à faire ce soir, putain. C'est pour voter pour le gagnant. Merci, je vous aime très très fort.
C'est même pas combien il y a de lettres dans son nom. Mais si, c'est. Et puis on s'en branle un peu. Tu sais, en je plus, pense. Il compte sur ses doigts. C'est 1, 2, C-A-I-D-R-I-Q. Non, non, parce que j'ai cru un abrégé, je retire le E. 9 lettres pour Cédric. Non, je crois que tu t'es trompé. Bon, le bon choix à faire ce soir, c'est Cédric. C'est noté, Cédric. Et attention, aussi la déclaration de Romain. Allez, attention, c'est l'ambiance. Et juste après, on passe au vote, attention. Allez, on vote Cédric ce soir. TMX et Romano. Romano, il faut voter Romano, il faut voter Romano, avec moi c'est Maggie, il faut voter Romano. Alors ce soir mes amours, bon vous entendez l'autre est complètement au bout du rouleau, c'est même plus combien de lettres dans son prénom, l'autre il nous resserre la, c'est la technique du sextoys mais à la pelle. Sextoy, pas du sextoy. Ah le sextoy là. Justement là y a pas de sextoy. L'autre on y a eu droit. Je suis testeur de sextoy. Je suis machin. Bon ça a toujours le même effet. Ça ne marche pas. T'en as pas marre de rabâcher à chaque fois. En tout cas moi, Cédric déjà eu deux coups de fil. Moi j'en ai eu qu'un. Bah c'est tout. Et moi dès le premier coup de fil, David m'invite. Je vais chez lui. Je fais l'amour à sa femme pour la tester. Ensuite je l'emmène en week-end et en cadeau je lui mets une petite cartouche. Lui aussi il veut un fusil dans les fesses. Il me l'a demandé lui-même. C'est son fantasme. Eh bien pour tout ça votez Romano. R-O-M-A-N-O. Top vote, 22h23 pile sur Sky. Allez, ta gueule, t'es mal à la tête. Romano ou Cédric. Ah bah, je viens de faire Cédric. Mal au cul, votez Romano. 41 Sky, Skyrock.fm, les applis Sky, allez, tout marche. Allez-y, hein. Et le net aussi, faites péter tout ça. Bon, voilà pour le clash de la drague. Bon clash de la drague, on démarre sur vous, mes amours. Allez, on vote Cédric. Et n'oubliez pas, mercredi, on aura un autre clash de la drague spécial Halloween pour mercredi, notre soirée spéciale Halloween, la soirée qui fait peur. Putain, Cédric, il a l'avantage sur moi avec la gueule qu'il a. Ah, on verra mercredi. Tu parles, s'il te plaît. Bon, pour l'instant, 5 minutes pour voter. De 23 jusqu'à 28, il vous reste donc sur, bon, 5 minutes pratiquement. Ça, 4 minutes 30 pour faire la différence entre nos deux clashers ce soir. Allez-y. Romano. Tout peut arriver, on l'a déjà vu dans le clash. Hein. Parfois, on a des surprises. Bip, moi, j'ai fait le juste prix, moi. Eh oui, Romano, c'est l'animateur du juste prix. Il en a trop de la chance. Eh ouais. Non, franchement, tu sais que j'aimerais bien te présenter ce jeu, moi. C'est vrai, parce que de toute façon, tu pourrais être. Les gens verraient même pas la différence. Ça tirait bien. Déjà, avec la gaffe. Ouais. T'as la même coiffure que la gaffe. Ah, les deux sont chauves, ouais. Non, franchement, tu sais, j'aimerais bien. Mais je serais bien content, tu sais, quand les gens ils perdent. Je dirais, bah, t'as perdu. Ah, tu, c'est une vraie salopée. Tu l'as vu, la vitrine. On garde les cadeaux. Bah, elle reste là. Ne pas souvenir, la vitrine. Et voilà, tu rentres chez toi, bah, sans rien. Allez, au revoir. Sly. Et ah oh, tiens, je veux merci Momo pour les résultats du clash de la drague. J'ai les résultats du clash de la drague à vous donner là. Vous quittez pas, on vous envoie votre jeu, votre maillot tous les deux. Ouais. Et donc Cédric et Romano, je vais vous donner le verdict de vous tous et vous toutes qui avez voté. Je sais pas, je suis inquiet. Pourquoi t'es inquiet, Romano ? Je sais pas, putain, des fois j'ai des coups de. T'aimerais faire combien ? Ah déjà, j'aimerais gagner. Première étape. Plus de 50, ça te suffit. Ouais, non, quand même, tu sais, il faut se fixer des objectifs dans la vie quand t'es un winner. Alors, combien le winner il veut? Bah, plus de 60, ça serait pas mal déjà. 60. Cédric, tu veux combien toi? Ouais, 53, 54, ça serait bien. 53, 54, t'es petite content. Petite victoire, ça me suffirait, moi, tu sais. Eh bien, vous allez être content. Je suis pas gourmand, moi. Ni l'un ni l'autre, parce que le résultat final. Je gagne avec plus? Je vous le donne tout de suite. Ou tu perds avec moins. Romano. Gagne le clash de la drague de ce lundi soir avec 60. Oh putain. 13% des voix. Au-delà de désespérance, quoi. Ah putain, qu'est-ce que je te mets encore dans le fion, quoi. 73%. C'est incroyable. Mais le fion de Cédric, c'est le tunnel sous la Manche, tellement j'en cul. Parle bien, connard, bah, t'es malade. 73-27. Bon, bien joué, Romano. Ah, putain, merci, mes amours. Hein, merci, merci. On n'a pas de musique de fête. Ah, bah, c'est super joyeux. Attention, un petit. Ah, voilà. Là, je veux dire, c'est la grosse taf, là. C'est romantique. C'est clair. Ah, ouais, mais bon, je voulais un truc de fête, moi. De fête. Allez. Et. Là, là. Ça c'est bien ça. Merci mes amours, merci grâce à vous. Encore une victoire au clash. Ça fait bien plaisir. Et mercredi, n'oubliez pas, une spéciale Halloween. Eh bien mercredi, il va falloir voter Romano, R-O-M-A-N-O. Romano, la 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 la
Merci Romano. Il danse, ce con. Oui, c'est bien Momo, il danse. Bon, ben voilà pour le clash de la drague. Ah. Beau clash pour ce soir. Le prochain, et ben comme tu l'as dit, c'est mercredi. Remise de la coupe à Romano, tiens ta coupe et photo qu'on va mettre sur le blog. Ouais, la maté. Full.skyrock.com. Momo, notre paparazzi, fait la photo. Voilà, et Romano tire la langue sur la photo pour être encore plus sensuel. Est-ce que je suis très beau? Oh bah trop même, même plus que d'habitude encore. Vraiment là, à vomir. Bon, on fait notre test saisonnier là, on va essayer de trouver.